Brochettes avec 4 morceaux de poulet. 300 brochettes? Et dans une brochette, il y en avait 4 morceaux de poulet. C'est toutes vous qui avez fait ça. Voilà, on a fait toute cette équipe. Moi, j'ai mis ça pour parler. Puis les autres, ils ont la bonne en table. Ils ont la plage et ils ont pelé des patates. Pour la soupe ou pour le, comme accompagnement aux brochettes? Ils ont fait des petits pains, il y en a un en forme de tortue, il y en a un en couronne, puis un autre en couronne. Le projet Samijette à Dormir, c'est un projet qui vise à développer les compétences ou les connaissances culinaires nutritionnistes chez les élèves. Alors on a une clientèle d'enfants de 2 à 12 ans, parce qu'on a une garderie aussi de 2 à 4 ans. Les ateliers sont dédiés aux enfants de 4 à 12 ans. Tous les enfants de l'école vont recevoir 8 ateliers de cuisine durant l'année. En fait, la cuisine est un prétexte pour permettre aux enfants d'apprendre les choses importantes concernant leur santé. On croit que le mois de mars n'est pas suffisant pour toucher à tout ce qu'il faut pour la nutrition chez les enfants. On est convaincu que les besoins de base doivent être comblés pour permettre aux enfants de réussir. Regardez là, ça va faire ça va donner ça. Dans les ateliers présentement, à chaque atelier, on a 4, 5, 6, 7 parents qui viennent travailler avec les enfants dans l'atelier. C'est fantastique, on n'a jamais eu autant de parents qui ont franchi le seuil de la porte dans la journée. Moi je pense que ça peut être que bénéfique pour eux. Ça les ramène un peu plus à la nature, à l'essentiel. Je pense que ça devrait même faire partie de leur programme, tous les enfants de toute la commission scolaire. On vient le faire vivre à tous les élèves pendant au moins 8 ans. C'est-à-dire que mes enfants de 4 ans, je veux quand ils vont sortir en 6e année, qu'ils aient eu des ateliers de cuisine pendant tout leur cheminement. Pour que, quand ils vont arriver au secondaire, ils puissent se faire des lunchs quand ils vont se faire. La lasagne. La lasagne, ah, ça c'est bon. Et toi, ton plat préféré? Moi, c'est les pâtes au beurre. Les pâtes au beurre? Ouais. C'est comment ça? C'est des pâtes qu'on fait cuire, puis on y rajoute du beurre. C'est ta mère qui fait ça? Oui. À part de ça? J'aime aussi les tartes aux pommes, comme la tarte à la citrouille. Ah, ça aussi. Avec ma gardienne, j'en fais. Tu fais la tarte à la citrouille? Quand c'est l'année. Tu fais cette année? Ouais, je viens d'arriver. Elle était bonne? Ouais.